Bonjour. Ok, je vous avais prévenu que vous allez faire face à des changements. Et je vais avec ce que l'esprit me montre. Bonjour Chris. Beaucoup d'entre vous, vous savez que vous avez des dons. Vous avez essayé par vos propres moyens. Ce matin, je suis là pour vous dire que, premièrement, ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui vous a amené là où vous êtes, ne pourra pas vous amener là où vous voulez partir. Je vais répéter. Ce qui t'a amené là où tu es ne t'amènera pas là où tu veux partir. Tu dois changer de stratégie. Et quand on parle de stratégie, ça va demander que tu enlèves beaucoup de personnes autour de toi. Et beaucoup d'entre vous, vous avez passé les 2 dernières semaines, les 2 derniers mois, à retirer beaucoup de mauvaises compagnies. Maintenant, beaucoup de vos mouvements étaient influencés par les personnes que vous vouliez impressionner. Mais ce niveau-là est déjà dépassé. Je veux prouver à mes oncles que je peux. Je veux prouver à mes voisins que je peux. Tu as déjà fini avec eux, non? Ils ont déjà vu que tu pouvais faire quelque chose, non? Maintenant, il faut que tu reviennes dans le vrai business. Et beaucoup de tes mouvements étaient influencés par le besoin de reconnaissance. Quand on veut changer le monde, on ne se bat pas contre une ou deux personnes. Donc, cette offre que je vais faire, c'est pour les personnes qui, vous avez des dons. Vous savez que vous êtes appelé à être très riche. Vous savez que vous êtes appelé à aider les gens avec vos dons. Vous savez que l'argent pour vous va venir comme ça. Et vous ne savez juste pas le ABCD. Comment faire? Il y a beaucoup de choses que vous faisiez avant parce que vous étiez en train de poursuivre un client, deux clients. Certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des boulots. Vous êtes infirmier, par exemple. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu sais que ça, ce n'est pas tout. Donc, pendant 7 jours, je vais ouvrir cet espace pour former des coachs. Je n'ai besoin que de maximum 10 personnes. Parce que j'ai besoin d'un groupe pour appliquer ce que je vous dis tous les jours. Vous m'écoutez. Donc, premièrement, tu dois avoir l'argent pour payer.
Deuxièmement, tu dois déjà avoir commencé à te débarrasser de beaucoup de choses autour de toi. Troisièmement, tu dois avoir la discipline. Parce que dans cette formation, je vais vous guider. Je ne serai pas là pour faire le travail pour vous. Donc, si vous êtes paresseuse, ne me contactez même pas. Si vous êtes paresseux, ne me contactez pas. L'appel initial de The Gilles Digger Academy, c'est parce que à la base, je suis censée former. Ça, c'est une école de formation. Donc, il y aura du spirituel là-dedans. Il y aura du business. Je vais vous apprendre à trouver vos clients. Parler sur vos plateformes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de 10 000 abonnés sur YouTube ou sur Facebook pour vous faire de l'argent. Tu peux planifier quand tu commences tes vidéos. Tu cibles des personnes précises. L'argent, ça n'attend pas le temps. L'argent, ça vient avec la stratégie. Et si tu as la bonne stratégie, ce que les gens prennent 6 ans pour faire, tu le fais en 6 semaines. Beaucoup d'entre vous, vous avez problème de planification. Voilà lundi. Peut-être que tu es encore au lit. Tu es en train de courir pour aller au boulot. Ça demande que tu ne fasses pas au boulot. Tu ne sais même pas. Tu passes à moi. On m'a dit qu'il faut que je travaille. Dans la formation, elle va coûter 3 000 euros. En CFA, je crois que c'est 2 millions. Donc, j'offre de former. Je veux juste 10 coachs. Je ne veux pas plus. Tu sais, tu as toujours su que tu veux devenir coach. Quand tu conseilles les gens comprennent. Je ne sais pas pourquoi tu as toujours voulu te faire de l'argent, mais en aidant les autres personnes. Et tu veux passer à un autre niveau de ta vie. Tu es fatigué d'avoir les dons et tu vas t'aligner, tu travailles tous les jours pour quelqu'un. Je veux t'apprendre comment utiliser tes dons pour sortir de ton système, ce système dans lequel tu es. Cette affaire-ci demande le courage. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'attendre que quelqu'un d'autre vienne faire des choses pour vous. Ce matin, je disais à mon petit frère, personne ne va te sortir de ta merde. Même pas moi, ta soeur. L'affaire-ci, c'est une place. Même pas ton gars. Même pas ton mari, même pas ta femme. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous continuez la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. Il est temps que vous commenciez à comprendre. Je me casse toute l'énergie que je mets pour avoir 50 clients. Je peux avoir 10 clients qui vont venir me payer telle somme. Je vais donner le tiers de l'effort et les deux tiers là, je peux concentrer ailleurs parce que n'oubliez pas, vous êtes en train de. Je suis là pour vous amener pour que vous soyez multimillionnaire. Donc vous devez avoir plusieurs sources de revenus. L'argent doit entrer par plusieurs canaux, pas un seul. Vous devez commencer à penser différemment. Vous apportez trop de valeur aux gens. Ce n'est pas parce que tu connais quelque chose qui va aider quelqu'un que tu vas forcément lui dire. Beaucoup d'entre vous, vous aidez les gens qui n'ont pas besoin de votre aide. Et ça fait vous douter de vous. Je sais que je suis talentueuse. Je sais. J'ai une cliente là. Parfois, je sors du pays, je vais faire du coaching privé avec elle, dans son pays. Quand on a commencé, la femme l'a aidé tout le monde. La femme l'a aidé tout le monde. Elle te paye pour que tu t'assieds pour travailler avec elle. Pendant que tu as de travailler avec elle, on l'appelle. On la stresse. Oui, aide-moi, aide telle personne. Et elle va me payer, ça va donner l'argent. Elle dit, ouais, attends un peu, s'il te plaît. Je dis que tu me payes pour mon temps. Et tu peux faire dépenser ce temps pour aller aider des gens qui vont t'utiliser.
Le grand travail que j'avais, elle, en premier lieu, c'était de faire qu'elle arrête de dépenser son énergie n'importe où, à n'importe qui. Tout dans cette vie, c'est le business. Tu prends ton temps, tu apportes de la valeur à quelqu'un. Il faut que cette personne en retour t'apporte quelque chose. Vous avez dit, oh Dieu, on aide, on est content. On aide de. Non, va aider à l'orphelinat. Prends 2 heures par semaine, tu pars, tu fais du bénévolat à l'orphelinat. Les orphelins ne vont rien te devoir. Vous donnez trop. Oh, tu veux que je t'aide? Oh, tu veux qu'elle fasse ceci pour toi? Oh oui, je vais faire, je vais payer encore dessus, je vais encore, je vais. C'est pour ça qu'on vous utilise. Vous ne savez pas où mettre votre argent. Les 2 premiers jours de coaching que j'ai fait avec la femme là, vous savez qui a profité de sa nouvelle, de la nouvelle elle? Son mari. Elle me dit, mon mari est encore plus heureux. Que mon mari, il est jovial. Je dis, ma chérie, c'est parce que tu as coupé les fausses portes que tu ouvrais, les gens entraient pour te déranger. Tu rentres, tu es épuisé spirituellement. Même si tu ne dis pas un mot, ton mari peut prendre toutes tes énergies. C'est lui qui écoute. Avant que je commence à la former, même dans ce qu'elle m'a payé pour faire, première chose, j'ai d'abord coupé tous les canaux par lesquels son énergie sautait. Ça, c'est juste l'une des règles de base. Apprendre à dire non. Vous avez peur d'investir sur vous. Malheureusement, c'est une réalité. Vous avez peur d'investir sur vous. Tu vas prendre 10 000 euros, tu vas te donner à un homme. Donner à ton frère. Construire la maison de ta mère. On va te dire, toi, prends, tu peux acheter telle chose. Achète tel programme. Achète la voiture. Non. Écoutez, tu n'investis pas sur toi, tu ne vas rien avoir en retour. C'est pour ça que tu n'arrives pas à demander à un client que paye-moi. Pourquoi ils investiraient en toi si tu n'arrives pas à investir en toi? Je vous donne vos problèmes aujourd'hui. Hein? Voilà vos problèmes. Vous allez venir dans mes vidéos, rester toute la journée. Quand il faut passer à l'action, pourquoi vous êtes parti? Ne vous inquiétez pas, vous serez encore là pour 5 ans. Donc, tu me suis depuis un certain temps, tu commences, tu fais déjà ton travail spirituel. Parce que je ne veux pas travailler, je vais sélectionner. Tu fais déjà ton travail spirituel. Faut pas que de devoir à faire, tu ne fais pas. Tu as besoin de direction, d'instruction. Et tu veux créer une nouvelle carrière pour toi. C'est pour toi que je lance. Je vais dire, je dis ceci, j'ouvre les inscriptions pendant 7 jours. Quand moi je fais mes choses, je fais avec ce que l'esprit me dit. Donc pendant 7 jours, s'il y a 3 personnes qui viennent pour la formation, je prends les 3 personnes. Mais je ne prendrai pas plus de 10 personnes. Voilà. Donc, je vais vous former pour que vous puissiez vous lancer en tant que coach. C'est bien clair, non?
L'une des bases du coaching, c'est d'abord la spiritualité, parce qu'un coach, c'est quelqu'un qui allège les gens. Tu viens trouver quelqu'un dans son trou. Il n'a pas l'énergie ni la puissance pour sortir de là et avancer, faire quelque chose de bien. Tu viens avec ta puissance. Ce qui fait que vous devez être prêt pour faire le travail spirituel. Tu viens avec ta puissance. Tu arrêtes la main de la personne. Comme une voiture qui vient remorquer une autre voiture. Il y a des gens que quand ils prennent, quand j'ai des clients privés que quand je les prends, la période là, ils ne travaillent avec personne. Même consulter, ils ne consultent pas. Ils passent 2, 3 jours, je ne consulte pas. C'est la puissance qu'il faut pour remorquer la personne là, pour sortir de là. C'est beaucoup. Voilà. Vos dons sont censés être utilisés. Donc, il y a les numéros en haut de ce direct. Et puis, si vous voulez me contacter, vous saurez comment me trouver. Je suis juste un peu fatiguée de la paresse que vous mettez. Vous n'êtes pas engagé. Vous n'avez pas l'engagement. Je veux, mais. Je veux, hein. Viens, alors, fais. Mais il ne s'agit pas de ça. Tant que tu ne t'engages pas à voir ce que tu deviendrais si tu mettais tout, il y en a parmi vous que si on vous dit aujourd'hui qu'il vous faut 10 millions pour vous sauver, ou vous payez votre rançon, sinon on vous tue. Je vous assure, vous allez créer 10 millions. Vous allez trouver, parce que vous allez vous lancer dehors comme une folle. Donne-moi 50 000. Vous allez cotiser 50 000 pendant 10 jours. Vous allez faire appel à toutes les personnes que vous connaissez. 10 millions, c'est seulement 500 000. Fois combien? 20 personnes te donnent 500 000, c'est tout. Tu as 10 millions. Vous avez un problème de motif. Votre motif n'est pas encore là. Votre motif n'est pas encore bon. Vous voulez encore souffrir. Voilà. Voilà une nouvelle semaine qui est en train de commencer. Tout ce que vous aurez à la fin de cette semaine, c'est selon ce que vous avez vu. Tout ce que vous aurez, c'est selon ce que vous avez prédit. Vous êtes votre propre Dieu. Toi, tu es ton Dieu. Moi, je suis mon Dieu. Si je dis que je vais le faire, je vais le faire. Tout ce qui vous manquait, c'était des objectifs. Au lieu de se dire 500 000, ça va. Et si j'avais pour objectif 20 millions cette semaine? Parce qu'il y a bien des gens sur cette terre qui se font 20 millions par semaine, non? Il y en a qui font 20 millions par jour, non? Question d'objectif. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Soyez bénis.